Ce bâtiment a été construit pour être le musée des travaux publics. Donc un bâtiment aux dimensions impressionnantes, dans une architecture et une conception voulue par Auguste Perret. Auguste Perret travaillait le béton de façon artistique, comme à l'instar de la pierre. Donc on ne peut pas rester indifférent à l'ambiance générale de cette immense coque de béton qui a été ciselée à la façon d'un orfèvre. Ce bâtiment, au fil des années, a été victime de dégradations liées aux intempéries, à la pollution. Et des morceaux de béton se sont progressivement détachés. Nous avons bâti un plan pluriannuel, trouvé les financements et inscrit l'opération de rénovation des façades comme étant la priorité. Nous avons commencé les travaux fin 2014 et nous prévoyons de livrer la dernière tranche, donc la façade Iéna, la salle hypostyle, pour octobre 2016. Ce chantier est exemplaire. L'entreprise a proposé un protocole de travail pour que les compagnons puissent travailler de 7h à 10h et laisser ensuite le conseil sans bruit. Pour autant, les compagnons avaient de quoi faire dans la journée. Cet immeuble étant désormais mais classé parmi les monuments historiques, donc il y a eu des recherches importantes pour essayer de comprendre quel type de dégradation se passait et pour quelles raisons surtout, parce qu'on les voyait. Donc le fait que ce béton éclate, c'est par le fait de ce qu'on appelle la carbonatation, qui est un phénomène physique si vous, à l'intérieur du béton, qui fait que quand le fer qui est à l'intérieur de la structure est atteint par l'humidité, le béton éclate. Et donc à ce moment-là, on dégage le béton, on protège les fers, on les remplace si vraiment ils ont été très usés, et on refait un béton qui soit parfaitement compatible avec l'ancien. Ici, la question a été de retrouver, comme je vous le disais, des liants, mais aussi des sables, des graviers qui ont été recherchés spécialement pour avoir le même aspect pour la composition du béton. Il y avait un souci de présentation et de finition tout à fait particulier avec justement des bétons dits bouchardés, c'est-à-dire qu'à ce moment-là vous avez le gravier qui prend un aspect assez coloré et puis chatoyant, vous avez des petits liserés qui sont sur le côté qui permettent effectivement de souligner cette architecture, ce qui fait que effectivement la mise en œuvre du chantier a nécessité à peu près 4 mois de recherche, d'analyse et de recherche pour trouver la bonne composition des mortiers et mettre au point. Donc là aussi, on a des entreprises quand même de grande qualité, l'entreprise Pierre Noël et Fraissinet, qui sont des entreprises qui sont très spécialisées et qui connaissent bien ces questions-là, qui ont fait effectivement beaucoup de recherches pour que l'aspect de finition soit selon les méthodes de l'époque de Auguste Perret. Nous avons donc déterminé par le biais d'analyses précises avec des prélèvements in situ des carottes prélevées au sein même du béton pour analyser le cœur de celui-ci et nous permettre de mettre en œuvre le béton identique à l'existant. On retrouve des travaux de finition tels que le badigeon qu'on a pu avoir et qu'on a retrouvé des traces historiques en ocre jaune pour justement se rapprocher du ton de la pierre. Je dirais qu'on est sur la haute couture du bâtiment. C'est vraiment une restauration de précision. Il y a énormément d'heures de travail. Il y a un travail minutieux et ça, on a pu apporter effectivement cette notion de savoir-faire que nous avons d'une manière depuis 1844 perpétuée au niveau de l'entreprise. Et nous avons pu apporter cette notion d'historique, faire des essais, essayer de retrouver nos agrégats, essayer de retrouver donc nos sables, essayer de retrouver toutes les différentes pierres qui font de cette couleur. Et l'objet pour nous dans une restauration, c'est de ne jamais voir ce que nous avions fait.